Vénérable Népola Gunaratana Le chemin octuple Chapitre 6 L'effort juste Deuxième partie Les quatre stades de l'effort juste Maintenant, nous pouvons discuter de la manière de traiter les mauvaises herbes que sont les obstacles et les entraves et de la culture de meilleurs états mentaux. Le Bouddha a enseigné une approche en quatre stades du travail sur l'esprit. Vous devriez utiliser l'effort juste pour 1. prévenir les états d'esprit négatifs. 2. surmonter les états d'esprit négatifs. 3. Cultiver les états d'esprit positifs. Et 4. Maintenir les états d'esprit positifs. Dans cette seconde partie, nous aborderons les deux premières étapes. Prévenir les états d'esprit négatifs. Votre première ligne de défense consiste d'abord à empêcher l'apparition des états d'esprit négatifs. Comment En maintenant une inlassable attention, tout simplement. L'attention nécessite un entraînement et s'entraîner demande des efforts. Cet entraînement comporte cinq points moralité, souvenir, sagesse, patience et effort. L'effort est employé dans chacun de ces points. Vous commencez par une bonne moralité, ce qui demande un effort, comme nous l'avons vu pour les précédentes marches. Avec la moralité pour base stable, vous faites l'effort d'exercer l'attention que vous pouvez mobiliser chaque fois que vous y pensez. Un aspect de l'attention est ce souvenir, et cet aspect devrait être maintenu constamment vivant. Encore et encore, vous vous souvenez de ramener l'esprit au moment présent. Vous aurez des moments de plus en plus nombreux où vous parviendrez à être attentif. Il est dit, un moment d'attention n'est jamais perdu. Vous utilisez ensuite votre sagacité en apportant une sagesse croissante dans vos efforts. Vous vous arrêtez et pensez ⁇ Comment cela s'est-il passé la dernière fois ?⁇ Ressentir l'effet de vos erreurs vous incite fortement à les éviter à l'avenir. Vous vous rappelez ce que vous avez appris et cessez de répéter vos erreurs. De cette façon, vous façonnez votre comportement très rapidement. À mesure que votre sage compréhension de la réalité s'approfondit, vous vous rappelez vos nouvelles priorités de façon répétée et vous en arrivez à ne pas vouloir laisser passer un moment sans mettre en jeu l'attention et la sagesse. Si vous échouez, vous faites appel à la patience. Vous subissez les conséquences de votre échec et ensuite, patiemment, faites l'effort d'être attentif de nouveau. Développer une attention stable peut être un très long processus. Aussi le Bouddha faisait-il à ses disciples certaines suggestions quant à la manière de protéger leur esprit. Il leur conseillait d'exercer une judicieuse attention et d'éviter l'attention inconsidérée. Il expliquait que l'on doit s'en tenir à ce que l'on sait être vrai en ce moment même grâce aux cinq sens. C'est votre territoire personnel, votre vraie demeure. Penser vous fait sortir de ce lieu sûr. Par exemple, en entendant un son pendant la méditation, pensez seulement son au lieu de spéculer sur l'auteur du son et sa signification. En prenant conscience de désagréables sensations de froid pendant que vous travaillez, Observez simplement cette sensation sans vous former une opinion sur le système de chauffage du bâtiment. Alors que vous attendez à l'arrêt d'autobus, observez vos pensées en tant que simples phénomènes passagers, comme ces voitures qui passent, sans faire de l'autostop avec elles. Le Bouddha a pressé ses disciples de s'accommoder des petites réalités inconfortables de la vie sans essayer automatiquement d'arranger les choses. Si vous choisissez de les changer sans cesse pour être toujours à l'aise, l'esprit devient maniaque et les états malsains apparaissent plus rapidement. Disons que vous remarquez que la salle de méditation est trop chaude. Au lieu de vous lever pour ajuster le thermostat ou pour ouvrir la fenêtre, observez simplement la sensation de chaleur. Observez les changements dans votre gène physique et les réactions changeantes de votre esprit à leur égard. Apprenez à endurer les petites choses. Bien sûr, certains pourraient pousser trop loin ce genre de conseils. Si des choses urgentes se produisent, vous devez leur apporter vos soins attentifs. Le Bouddha recommandait également d'éviter la compagnie des gens futiles et négligents, car nous avons tous tendance à adopter les comportements des uns et des autres. Fréquentez les personnes qui ont des qualités que vous voulez développer. Trouvez un bon ami spirituel qui soit droit, attentif, maître de lui-même et modéré dans son comportement. Restez proche de lui et demandez-lui conseil quand c'est nécessaire. Le Bouddha conseillait encore à ses disciples de ne pas porter attention aux signes et traits de toute stimulation extérieure pouvant faire apparaître des états d'esprit malsains. Signe fait référence à l'hameçon, ce qui attire votre regard et vous fait vouloir observer de plus près pour éveiller un état d'esprit malsain. Trait correspond à des qualités spécifiques de l'objet de votre attention pouvant stimuler davantage l'état malsain. Par exemple, on pourrait conseiller à un homme marié de ne pas s'attarder sur le comportement faussement timide ou sur les traits particulièrement séduisants d'une femme pour laquelle il pourrait développer une attirance. De même, une femme mariée ferait bien de ne pas remarquer si un bel homme porte ou non une alliance ou se permettre de prendre le temps d'admirer son sourire. Une histoire de l'époque du Bouddha illustre ce point. La voici. Il y avait un moine dont les vœux de célibat étaient mis en danger par des fantasmes sexuels récurrents. Il pratiqua des méditations sur le corps à l'état de squelette pour se défaire de ses pensées dérangeantes. Un hum. jour, alors qu'il marchait sur un sentier dans la forêt, une belle femme vint à passer sur ce même sentier, se rendant seule à la maison de ses parents après une dispute avec son mari. Quand elle vit le moine, elle lui sourit en passant. Un peu plus tard, le mari arriva par le même chemin à la recherche de sa femme. Quand il vit le moine, il lui demanda Vénérable, Avez-vous vu une belle jeune femme passer par ce chemin Je ne sais pas si c'était un homme ou une femme, répondit le moine, mais j'ai vu un squelette passer sur ce chemin. Le moine avait empêché l'apparition de pensées lascives en appliquant l'effort juste à sa pratique méditative. Il avait ainsi protégé son esprit d'état malsain. Si vous êtes capable de maintenir une attention continue, rien ne vous troublera. Vous ne vous mettrez pas en colère ni ne serez agité. Vous pourrez être patient, quoi que l'on dise ou fasse. Vous pourrez demeurer paisible et heureux. Un état d'esprit malsain ou négatif ne peut pas apparaître en même temps qu'un moment d'attention. Peut-être constaterez-vous qu'il est facile de prévenir les états d'esprit négatifs à condition que vous ne rencontriez pas de personnes ou de situations désagréables. Quand tout va bien, il est aisé de garder intacte votre attention. Vous pourriez même vous féliciter d'être capable de rester patient et accepter des éloges de votre famille, de vos amis et de vos collègues pour votre maîtrise de vous-même et votre tolérance. Mais quand les choses commencent à aller mal, votre patience et votre attention peuvent s'effondrer. Une histoire racontée par le Bouddha décrit la facilité avec laquelle cela peut arriver. La voici. Il était une fois une dame riche qui avait une servante capable et consciencieuse. La servante se levait très tôt et commençait son travail avant que quiconque soit éveillé dans la maison. Elle travaillait toute la journée et très tard le soir. Pour tout repos, elle ne prenait que quelques heures de sommeil chaque nuit. Elle entendait souvent les voisins parler en termes élogieux de sa patronne. Ils disaient ⁇ Cette dame riche a beaucoup de bonté pour sa servante. Elle est très patiente. Nous ne la voyons jamais se mettre en colère. On se demande comment elle est devenue une si merveilleuse personne. La servante pensa ⁇ Ces gens parlent de ma patronne de manière très élogieuse. Ils ne savent pas combien je travaille dur pour garder cette maison propre. Il faut que je vérifie par moi-même jusqu'à quel point cette dame est bonne et patiente. Le lendemain, la servante se réveilla un peu tard. Quand la dame riche s'éveilla, elle vit que la servante était encore endormie. Elle la réprimanda. Espèce d'idiote, vous avez dormi jusqu'au lever du jour. Levez-vous maintenant et allez travailler. La servante se leva. Elle n'était pas endormie. Elle faisait seulement semblant. Quand elle se leva, elle fit ses excuses à sa patronne et commença à travailler. Le lendemain, la servante se réveilla plus tard que le jour précédent. La dame riche était furieuse. Elle gronda la servante en usant de mots très durs et en la menaçant de la battre si, de nouveau, elle se réveillait tard. Le troisième jour, elle, la servante se réveilla encore plus tard. La dame riche était tellement enragée qu'elle prit un balai et frappa la servante jusqu'à ce que le sang coule de sa tête. La servante sortit en courant de la maison, la tête pleine de sang, et cria avec force ⁇ Regardez, mes amis, ma maîtresse m'a battue, car je me suis levée un petit peu tard aujourd'hui. Hier soir, j'ai travaillé jusqu'à minuit, et j'avais mal à la tête. Aussi ai-je dormi un peu tard aujourd'hui. ⁇ Les voisins, qui avaient fait l'éloge de la patience et de la compassion de la dame riche, changèrent rapidement d'opinion. Vous avez peut-être fait l'expérience de ce genre d'effondrement après des vacances longues et reposantes, ou en rentrant d'une retraite spirituelle. Pendant que vous étiez parti, votre colère, votre impatience, votre jalousie et votre peur étaient inactives, et vous vous sentiez en paix et heureux. Mais sitôt rentré à la maison, vous avez reçu un message téléphonique contrariant, ou avez trouvé une facture que vous aviez oublié de payer. Et toute votre colère est revenue en force. En un instant, votre paix mentale s'est évaporée. Alors, vous vous demandez, comment conserver dans la vie quotidienne le sentiment heureux des vacances ou de la retraite La réponse pour tous les jours est l'attention. Vous devez vous souvenir que ce n'est pas l'autre personne ou la situation difficile qui cause vos problèmes. C'est votre propre conditionnement passé. Outre essayer de maintenir une lucidité continuelle, apprendre à reconnaître les points faibles spécifiques de vos habitudes mentales peut vous aider à prévenir l'apparition de réactions malsaines. Par exemple, Supposez que vous alliez acheter une paire de gants dans un magasin de luxe et que le vendeur soit très impoli. Grâce à vos expériences passées, vous savez que les vendeurs incorrects vous mettent en colère. Aussi prenez-vous la précaution d'être particulièrement vigilant et de détourner toutes les pensées coléreuses. Vous vous raisonnez, bon, ce vendeur est aussi un être humain, peut-être a-t-il mal dormi. Ou bien a-t-il des soucis d'argent ou des problèmes familiaux Peut-être se sent-il en danger avec des personnes de ma race ou de ma nationalité Ou ne se sent-il pas bien aujourd'hui Il est possible que ce soit la raison pour laquelle il n'est pas capable de parler poliment à ses clients. Cette technique peut paraître facile, mais ce n'est pas le cas. Notre esprit n'a pas été entraîné à prévenir les schémas de pensée négatifs. Se mettre en colère est très facile. Critiquer les autres est très facile. S'inquiéter pour le lendemain est très facile. Désirer des choses est très facile. Ces habitudes mentales sont comme des plats tout préparés, bon marché. Une fois que vous avez commencé à manger un paquet de chips, il est difficile de vous arrêter. Empêcher les pensées négatives d'apparaître l'est également. Une fois que vous êtes accroché, il est difficile de lâcher prise. Comme l'a dit le Bouddha, pour le bon, il est facile de faire le bien. Pour le méchant, il est difficile de faire le bien. Pour le méchant, il est facile de faire le mal. Pour le bon, il est difficile de faire le mal. Et le Bouddha nous dit aussi dans le Dhammapada, Très faciles à faire sont les choses qui font du mal à soi-même. Très difficiles à faire sont celles qui font du bien à soi-même. Quoi qu'il en soit, vous devriez vous en tenir fermement à la connaissance que prévenir est toujours plus facile que guérir. L'attention, pratiquée avec l'effort juste, peut empêcher les pensées et les actions négatives d'apparaître dans le futur. Prévenir les habitudes négatives du corps, de la parole et de l'esprit n'est pas impossible si vous vous entraînez à l'attention. Néanmoins, lorsque des pensées et actions négatives apparaissent quand même, malgré vos efforts sincères pour les en empêcher, vous ne devriez pas être déprimé ni déçu. Cela ne signifie pas que vous soyez une mauvaise personne mais simplement que vous avez encore du travail à faire. Soyez heureux en pensant que vous avez un aide pour vous assister. L'effort pour surmonter les états d'esprit négatifs. Surmonter les états d'esprit négatifs. Avant l'illumination complète, nous ne pouvons pas choisir les pensées qui apparaissent, et par suite, il n'y a pas lieu d'être honteux ni de réagir avec aversion envers tout ce qui apparaît. En revanche, nous pouvons choisir les pensées que nous autorisons à proliférer. Les pensées positives et saines sont une aide pour l'esprit elles devraient être cultivées. Les pensées négatives et malsaines, comme les cinq obstacles et les dix entraves, Font du mal à l'esprit. Elles devraient être combattues immédiatement avec l'effort juste et surmontées. C'est le conseil du Bouddha lui-même. Surmonter les obstacles. La manière dont vous réagissez à un obstacle dépend de la façon dont il surgit. Les obstacles n'arrivent pas pleinement développés. Ils commencent comme un moment mental négatif et prolifèrent ensuite. Plus vite vous êtes conscient de ce train de pensée, plus il est facile de l'arrêter. Chaque fois que des obstacles sont présents, vous ne pouvez pas progresser, qu'il s'agisse de l'attention ou de la concentration. Au départ, c'est très simple. Un obstacle apparaît et vous le remarquez simplement. Vous remarquez, par exemple, que vous êtes en train d'avoir des pensées avides, coléreuses, embrouillées ou soucieuses, ou bien que votre esprit s'est fait prendre par un état d'agitation, de torpeur ou de dépression. À ce premier niveau, les obstacles sont très faibles et la méthode pour les surmonter est également douce. Vous remarquez simplement la présence de l'état d'esprit négatif. Par cette simple attention, la pensée négative s'estompe. Vous vous rendez compte de son absence et que celle-ci donne naissance à des pensées de générosité, d'amitié-bienveillance et à une sage lucidité. Si un obstacle s'est développé au-delà de ce stade initial, vous devez utiliser des moyens plus forts. D'abord, regardez la pensée négative avec une complète attention. Portez-lui une totale attention. Rendez-vous compte de l'effet qu'elle produit sur votre esprit et sur votre corps. Observez comment elle bloque votre développement mental. Observez sa nature impermanente. Voyez la nature impermanente des circonstances, des apparences, des humeurs, goûts, intérêts et des nombreuses autres conditions qui ont été les causes de son apparition. Réfléchissez au mal que vous risquez de vous faire en entretenant cette pensée négative et au plus grand mal qui pourrait en résulter si vous agissiez sous son influence. Maintenant, Raisonnez-vous. Rappelez-vous que tout est impermanent et que la situation qui a causé l'apparition de cette pensée ou de cet état mental va certainement changer. Par exemple, si les paroles d'une personne vous ont mis en colère, souvenez-vous des problèmes que vous avez à affronter dans votre vie soucis d'argent ou de santé, tracas de travail ou de famille. Dites-vous que cette personne peut avoir des problèmes similaires Vous ne savez pas réellement ce qui se passe dans l'esprit de quelqu'un à un moment donné. Pour être franc, vous ne savez même pas ce qui se passe dans votre esprit à n'importe quel moment. Votre état d'esprit dépend de multiples conditions. En fait, tout ce qui arrive dépend de nombreuses causes et conditions. Réfléchir de cette manière peut faire disparaître votre état d'esprit négatif. Supposons que vous vous réveillez un matin de mauvaise humeur. Vous n'avez aucune idée de la raison pour laquelle vous vous sentez contrarié, en colère, déprimé, sur les nerfs ou grognon. Mais si vous réfléchissez bien, vous vous souviendrez peut-être que vous avez mangé un plat épicé au dîner ou regarder la télévision pendant plusieurs heures avant d'aller au lit. Pourtant, manger épicé ou regarder la télévision n'est pas en soi la cause de votre mauvaise humeur matinale. Ces actions résultent elles-mêmes d'autres causes. Peut-être vous êtes-vous disputé plus tôt dans la journée avec votre fils, votre mari ou votre femme et avait regardé la télévision plus longtemps que d'habitude parce que vous étiez contrarié ou anxieux. Puis il se pourrait que vous vous souveniez que votre dispute a été déclenchée par un mauvais contexte au bureau, lui-même résultant d'autres causes et conditions. Ainsi, derrière tout ce dont nous faisons l'expérience, il y a des causes et des circonstances bien plus nombreuses que celles que nous pouvons analyser ou même connaître. Toutes ces causes sont en rapport les unes avec les autres. Aucun événement seul ne peut être cause de quoi que ce soit d'autre. Par conséquent, il n'est pas nécessaire d'aggraver votre état d'esprit négatif en vous blâmant ou en blâmant n'importe qui d'autre. De plus, vous pouvez vous rappeler qu'heureusement tous les événements et toutes les situations changent. Rien ne reste jamais identique. Quand vous vous sentez complètement désespéré, vous pouvez croire que rien ne changera jamais. Pourtant, quand vous regardez de plus près, vous pouvez voir que cette croyance est fausse. Les gens changent vraiment. Les situations changent vous changez. Il n'y a rien qui ne change pas. Par conséquent, avec le passage du temps, cette humeur dépressive ou cet état d'esprit coléreux change également. Votre impression envers une personne ou une situation déplaisante change aussi. Votre attitude change. Les attitudes des autres changent. Parfois, quand vous êtes de mauvaise humeur ou de bonne humeur, vous pensez que votre humeur ne changera jamais. Cette pensée même ⁇ cela ne changera jamais ⁇ est aussi changeante. Quand vous parvenez à cette prise de conscience, vous vous détendez un peu et vos pensées négatives commencent à passer. Les pensées négatives les plus difficiles à surmonter sont celles que vous ne remarquez pas avant qu'elles soient profondément implantées. De telles pensées bloquent l'esprit et l'empêchent de se développer. Vous pouvez prendre conscience de ces pensées quand vous vous asseyez pour méditer et travailler à votre pratique de l'attention ou de la concentration. Vous n'arrivez pas à focaliser votre esprit sur la respiration parce qu'une certaine pensée négative tourne en rond dans votre tête encore et encore. Dans ces cas-là, Vous avez besoin de faire un plus grand effort. Le moment est peut-être venu de développer votre perspicacité en examinant la pensée qui pose problème. Dans ce cas, vous mettez temporairement de côté votre projet de travailler à la concentration ou d'observer l'apparition, l'apogée et la disparition des sensations et des états mentaux, et vous appliquez votre esprit à examiner à fond ce qui est en train de se passer. La méthode à utiliser pour cet examen est décrite dans la deuxième marche, à la section Mettre en œuvre la pensée juste. Cependant, si vous préférez poursuivre la pratique que vous aviez l'intention d'effectuer, vous pouvez utiliser plusieurs remèdes. Les voici énumérés en ordre d'efficacité croissante. Si l'un échoue, essayez le suivant. 1. Ignorez la pensée. 2. Détournez l'esprit sur autre chose. 3. Remplacer l'obstacle par son opposé. 4. Réfléchissez au fait que chaque obstacle naît d'un grand nombre de causes et de conditions et qu'il est en continuel changement. Et 5. En serrant les dents, et pressant la langue contre le palais, mettez toute votre énergie à surmonter l'obstacle. Disons par exemple que vous ressassez avec colère une dispute avec un ami. Porter simplement l'attention sur ses pensées ne vous a pas apporté de soulagement. Vous raisonnez a également échoué. Vous avez aussi essayé d'ignorer les pensées. Comme l'a dit le Bouddha, toutes les choses apparaissent dans votre esprit seulement si vous leur portez attention. Quand vous ne portez pas attention à une quelconque pensée, elle s'évanouit. Pourtant, cette méthode ne vous a pas non plus permis de surmonter votre état d'esprit coléreux. Lorsque vous vous asseyez pour méditer, la conversation que vous avez eue avec votre ami ne cesse de tourner en rond dans votre esprit. Ces pensées alimentent votre colère et votre esprit ne peut pas se calmer. Que pouvez-vous faire Vous pouvez essayer de penser à autre chose. Portez votre attention sur un sujet complètement différent, comme les activités agréables que vous avez prévues pour demain. Si cela échoue, portez votre esprit sur l'opposé de la colère, l'amitié et bienveillance. Évoquez des moments de paix et d'harmonie que vous avez eus avec votre ami. Permettez à ces agréables souvenirs d'emplir votre esprit. Ensuite, essayez d'envoyer des pensées bienveillantes à votre ami. Si cela paraît trop difficile, envoyez des pensées d'amour à votre enfant ou bien éveillez des sentiments bienveillants en réfléchissant aux qualités de votre enseignant ou d'une autre personne que vous aimez. Lorsque vous rayonnez des pensées d'amour, il n'y a pas de place dans votre esprit pour la colère. Si les pensées coléreuses persistent encore, examinez-les de près. Prenez conscience de la manière dont elles changent, s'élèvent et passent, apparaissent et disparaissent. Considérez la perte de tranquillité mentale et la perte pour votre développement spirituel dont vous pâtissez en entretenant des états d'esprit malsains. Si tout le reste échoue, vous devez écraser la pensée négative de toute votre force, selon les propres paroles du Bouddha, comme un homme fort pourrait écraser un plus faible. En d'autres termes, vous ne devez jamais laisser la pensée malsaine gagner. Peut-être cette méthode de serrer les dents et d'écraser une pensée négative vous paraît-elle extrêmement brutale, tellement différente de toutes les autres instructions que vous pouvez avoir entendues pour travailler avec l'esprit. Vous pourriez même penser qu'elle ne paraît pas adaptée à la nature aimable du bouddhisme. Mais cet effort est tout à fait en accord avec la vie et l'enseignement du Bouddha. Il nous a enseigné de lutter avec vigueur. Comme nous l'avons signalé, l'effort juste est le carburant qui fournit l'énergie pour accomplir chaque pas sur le chemin du bonheur. Avec l'effort juste, nous faisons en sorte d'empêcher les pensées, les paroles et les actions nocives. Avec l'effort juste, nous surmontons le stress, l'anxiété, les soucis, la peur et le ressentiment. Avec l'effort juste, nous pratiquons l'attention pour cultiver ces merveilleuses qualités que nous ne sommes pas encore conscients d'avoir en nous. Réveillez vos merveilleuses qualités et amenez-les à la surface de votre esprit. Avec l'effort juste, entretenez-les et ne les oubliez pas. Exercez-les de manière répétée, encore et encore. Comme l'a dit le Bouddha, que mon sang se tarisse, que la chair de mon corps se dessèche, que mon corps soit réduit à un squelette, je ne me lèverai pas de cette méditation sans avoir atteint l'éveil. Du jour où il atteignit l'illumination jusqu'à sa mort, le Bouddha rappela aux gens d'être pareillement diligents dans leurs efforts spirituels. malgré cet enseignement, certains disent parfois que le développement spirituel requiert un effort sans effort. mes amis, je suis désolé de vous enlever vos illusions, mais il n'existe pas d'effort sans effort. l'effort doit être équilibré. trop d'efforts ou un effort malhabile peuvent causer un stress mental accru et mener à une spirale descendante jusqu'aux états malsains. Cependant, si l'effort est trop faible, vous finirez par vous ennuyer, vous fatiguer, ou par perdre l'intérêt. Aussi devez-vous faire un effort constant pour rééquilibrer l'effort avec les autres facteurs mentaux bienfaisants. La vérité est que vous ne pouvez jamais rien accomplir de grand sans effort. Chaque grande invention a demandé des efforts. L'électricité, l'automobile et l'ordinateur ne sont pas apparus parce que quelqu'un s'est simplement assis dans un fauteuil pour se détendre. Les inventeurs ont travaillé dur à leur projet. Si vous entreprenez un grand projet, comme la méditation, vous devez avoir la volonté de faire un grand effort pour atteindre votre but. Vous devez aussi avoir la volonté de vous discipliner si nécessaire. Voici une histoire à propos du Bouddha qui le fait bien comprendre. Un dresseur de chevaux demanda au Bouddha, Comment formez-vous vos disciples Le Bouddha lui demanda, Et vous, comment dressez-vous les chevaux L'entraîneur répondit. J'utilise des méthodes douces. Si cela ne marche pas, j'utilise des méthodes dures. Si je ne peux pas les dresser par des méthodes dures, je tue les chevaux. Le Bouddha dit, je fais la même chose, j'utilise une méthode douce. Si en utilisant cette méthode je ne peux pas former mes disciples, j'utilise des méthodes dures. Si je ne peux pas les former en utilisant des méthodes dures, je les tue. L'entraîneur de chevaux dit alors ⁇ Mais vous êtes censé enseigner la non-violence, comment pouvez-vous tuer ?⁇ Alors le Bouddha expliqua sa façon de tuer. Il tuait une personne irrespectueuse des règles en la boycottant ou en l'ignorant totalement, ce qui rompait alors les liens avec la communauté des moines. Les suttas mentionnent un incident célèbre où le Bouddha utilisa cette méthode. Le voici. Le Bouddha avait un vieil ami nommé Channa. Celui-ci avait été le conducteur de char et le compagnon de jeu du Bouddha quand ils étaient enfants. Et c'est lui qui conduisait le char de Siddhartha quand il quitta le palais pour mener une vie ascétique. Channa prit la robe de moine à un âge avancé. En raison du rôle qu'il avait joué dans la vie du Bouddha, Channa s'attribua tout le mérite des accomplissements du Bouddha et devint très fier. Dès le moment de son ordination, il manifesta un manque de respect envers la sangha. Par exemple, quand des moines plus anciens lui rendaient visite, il ne s'acquittait pas des devoirs en usage, comme se lever et leur offrir un siège ou apporter de l'eau pour qu'ils se lavent les pieds et le visage. Le Bouddha dit à Channa que son comportement était très arrogant. Il lui dit, Tu dois respecter ces moines. Mais Channa n'obéit jamais au Bouddha. Finalement, quand le Bouddha fut sur le point de mourir, le vénérable Ananda lui demanda ce qu'il convenait de faire avec Channa. Le Bouddha demanda à la communauté de l'ignorer. Ananda fut chargé de prononcer cette sentence. Quand le Bouddha décéda, Channa fut tellement bouleversé et accablé de chagrin qu'il commença à penser ⁇ Toute ma réputation, mon autorité et mon courage venaient du Bouddha. Maintenant qu'il est parti, je n'ai personne pour me soutenir. Maintenant, le monde entier est vide. J'ai offensé de nombreux moines et ils ne sont plus mes amis. ⁇ quand Ananda prononça la mise au banc de Channa, celui-ci fut bouleversé pour la seconde fois et il s'évanouit. Quand il revint à lui, il devint très humble. Le Bouddha savait que Channa réagirait de cette manière. Alors Channa pratiqua la méditation avec obéissance et diligence. En fin de compte, il parvint à l'illumination. Les méthodes dures sont parfois nécessaires. La brutalité obtient parfois des résultats. Vous pouvez utiliser la même technique avec vos propres obstacles. Commencez avec une méthode douce, mais soyez décidé à en utiliser une dure si vous y êtes obligé. Quand vous êtes tenté d'acheter un joli chandail neuf, bien que votre armoire en soit pleine, Disciplinez votre esprit comme nous l'avons expliqué. Ignorez la pensée. Pensez à autre chose. Remplacez la pensée avide par une pensée généreuse. Réfléchissez attentivement à la nature impermanente des chandails et de toutes les choses matérielles. Si l'esprit continue de gémir et de pleurer pour obtenir le chandail, vous pouvez être obligé d'être dur avec vous-même. Dites-vous d'arrêter sans quoi vous n'aurez pas de nouveaux chandails cette saison. si cela ne suffit pas, décidez que vous n'en aurez pas de nouveaux cette année. et en dernier recours, menacez d'acheter tous vos chandails à la boutique de l'armée du salut pendant les cinq prochaines années. ensuite, mettez votre menace à exécution. l'esprit apprend à lâcher prise. Il y a une situation spéciale qui requiert une méthode très stricte. Parfois, lorsque vous êtes assis en méditation, l'esprit est complètement chaotique. Cela peut provenir d'un événement arrivé avant la séance, comme une stimulation excessive pendant la journée, ou de quelque chose ayant causé une anxiété débordante. L'esprit est tellement agité, avec des images et des émotions se produisant si rapidement que vous avez à peine éliminé une pensée négative que vous êtes confronté à la suivante. Vous pouvez avoir l'expérience de ce que j'ai entendu des étudiants appeler une attaque d'obstacles multiples. C'est le cas quand plusieurs obstacles apparaissent et prennent le contrôle de l'esprit l'un après l'autre. Si vous acceptez que l'esprit tourne en rond de cette manière, cela peut devenir une habitude difficile à surmonter. Il vaut mieux utiliser tous les moyens dont vous disposez pour calmer les choses. Si toutes les méthodes habituelles échouent dans un tel cas, il en existe une autre. Essayez de compter vos respirations. C'est une astuce pour focaliser l'esprit sur un objet. D'abord, Comptez les respirations de 1 à 10, ensuite de 10 à 1. Après cela, comptez de 1 à 9 et de 9 à 1. Continuez à compter jusqu'à 8, puis 7, et ainsi de suite jusqu'à ce que vous atteigniez de 1 à 2 et de 2 à 1. Voici la partie sévère. Si l'esprit s'échappe, même de la plus petite façon pendant que vous comptez, vous devez recommencer. Vous poursuivez ces comptes jusqu'à ce que vous puissiez exécuter le cycle en entier sans distraction. C'est un défi. Recommencer à chaque distraction fait que l'esprit se fatigue de vagabonder. Bien que cette méthode soit puissante, certaines personnes souffrent d'un chaos trop important pour pouvoir même compter. Dans ce cas, faites du chaos l'objet de méditation. Observez pendant que le chaos se transforme. Surmonter les entraves. En utilisant les techniques dont nous venons de parler, vous pouvez vous entraîner à reconnaître les entraves quand elles apparaissent et faire ce qu'il faut pour les surmonter. Avec l'attention pure et une opposition active, l'entrave qui vous tourmente, doute, avidité, haine ou agitation, s'affaiblit lentement et s'efface de l'esprit. Cette entrave spécifique peut ne pas réapparaître pendant un certain temps. L'esprit sait qu'elle est partie et il devient clair. Mais ensuite, en fonction de votre tempérament et des circonstances de votre vie, une autre entrave montera à la surface. À mesure que vous fixez l'attention pure sur ce cycle d'apparition et de disparition des entraves, puis de réapparition sous une autre forme, vous commencez à vous rendre compte à quel point elles sont puissantes et avec quelle force elles vous lient à la souffrance et vous rendent malheureux. Peu importe le nombre de fois où vous les surmontez temporairement, les tendances de l'esprit qui se manifestaient sous la forme d'entraves continuent d'exister en vous, vous liant et vous prenant au piège encore et encore. Vous voyez que vous portez en vous une prison. Avec le développement de votre attention, vous prenez conscience que ces états d'esprit négatifs, l'avidité, la haine et l'illusion mensongère, altèrent non seulement vos pensées, mais gâchent tous les aspects de votre vie et les rendent plus pénibles. L'esprit continue de retourner au même schéma négatif. Vous vous sentez pris au piège, enchaîné à un cycle sans fin de naissance et de mort. La vérité est que l'attention ne peut vous aider à surmonter les entraves que temporairement. Les détruire demande une haute réalisation sur le chemin d'illumination du Bouddha. Comme nous l'avons dit précédemment, elles sont détruites en quatre étapes. Comment Vous les abandonnez par cinq applications d'efforts connues sous les termes de suppression, substitution, Destruction, effondrement et libération. Suppression fait référence au fait de repousser tous les états malsains en les tenant en échec au moyen de l'attention ou de la concentration. Chaque fois que vous demeurez attentif ou que vous entrez en concentration profonde, les entraves restent en sommeil. Quand vous prenez l'habitude de les repousser ainsi, les entraves supprimées s'affaiblissent. Affaiblies, elles créent moins de problèmes d'instant en instant et ont moins d'influence sur vos processus de pensée. Les obstacles se calment quelque peu également. Ce répit donne à l'intuition davantage d'occasions de se produire et rend plus probable la destruction de quelques entraves quand la sagesse apparaîtra. Substitution est l'effort de s'opposer à un état malsain particulier en cultivant son opposé. Vous substituez à la colère l'amitié-bienveillance. La croyance en l'éternité des choses est mise en échec par l'examen de l'impermanence. Vous contrez la croyance instinctive en l'existence d'un soi en analysant les éléments fluctuants qui constituent votre corps et votre esprit. Quand la suppression et la substitution sont bien développées, il devient possible de traverser quelques entraves affaiblies. Destruction caractérise le moment où une quelconque entrave cède, à l'image d'un palmier qui se fend quand il est touché par la foudre. Effondrement fait référence à la disparition de ces entraves immédiatement après leur destruction. Et libération fait référence à la libération de l'esprit qui suit la destruction d'un quelconque groupe d'entraves. La plus spectaculaire de ces libérations a lieu au premier des quatre stades d'illumination, quand on transcende la vie ordinaire et devient partiellement éveillé. Supposons que vous ayez pris pour cible les trois premières entraves, la croyance en un soi permanent, le doute et la croyance au pouvoir des rites et rituels, et que vous ayez profondément étudié leurs opposés. Alors que vous êtes assis en méditation, observant avec une forte concentration les caractéristiques de la respiration, l'intuition peut apparaître. Votre examen de l'impermanence de l'insatisfaction et de l'absence de soi de la respiration vous permet, en une grande intuition, de comprendre le fait que toute la réalité partage ces trois caractéristiques. Voyant l'impermanence de toute chose si clairement, vous comprenez intuitivement qu'il ne peut rien y avoir de permanent, appelé soi ou âme. Ainsi, vous détruisez la première entrave. Vous comprenez aussi qu'un grand homme doit avoir compris tout cela pendant qu'il pratiquait ce chemin. Chemin qui, par conséquent, doit véritablement être efficace pour déraciner tous les états d'esprit négatifs. Vous vous débarrassez ainsi de la deuxième entrave, le doute. Maintenant, vous savez que rien ne peut libérer votre esprit sauf le développement de la sagesse par un chemin comportant la moralité, la concentration et la vision intérieure. Sachant cela, vous cessez de croire que de simples rituels auraient le pouvoir de vous sauver. Vous vous affranchissez ainsi de la troisième entrave. Une fois libéré de ces trois entraves, vous atteignez le premier stade de l'illumination. Maintenant, vous ne pouvez plus retomber en arrière. Jamais plus vous ne douterez de votre aptitude à atteindre l'illumination complète, ni vous demanderez comment y parvenir. Vous êtes assuré d'atteindre votre but. Vous êtes entré dans le courant, car l'attraction du courant spirituel vous portera jusqu'à l'illumination. Tout comme une brindille est emportée par le courant d'une rivière. À partir de ce point, l'esprit est empreint d'un nouvel entrain, d'un sentiment que aussi difficile que puissent paraître les circonstances de la vie, en profondeur, tout va bien. Vous savez avec certitude que tout est impermanent, et cela réconforte votre cœur. Vous n'êtes plus capable de commettre aucun acte vraiment malsain, car vous connaissez trop bien la loi de cause à effet. Avec cette bonne conduite, il n'y a pas de raison pour que de sérieux remords apparaissent. Vous êtes libéré de ce fardeau. Si vous faites un écart et dites, supposons, un petit mensonge, vous ne trouverez pas de repos avant d'avoir remis les choses en ordre. Des flambées de colère, des bouffées de chagrin, des accès d'avidité peuvent encore vous saisir, mais ces épisodes ne vous mènent pas aussi bas qu'avant et ils passent rapidement. Vous comprenez clairement la totalité du chemin et vous avez un vif et vigoureux intérêt à poursuivre votre apprentissage. De manière générale, vous devenez plus confiant. Moins centré sur vous-même, plus généreux et aimable, plus capable de vous concentrer et plus compétent dans tout ce que vous entreprenez. Vos collègues et amis remarquent un changement en vous, comme vous êtes devenu plus gentil, plus gai et plus détendu. L'étincelle dans vos yeux ouvre le cœur des autres et ils commencent à vous demander quelle est la source de votre bien-être. Pour montrer l'importance d'atteindre l'entrée dans le courant, le Bouddha prit un peu de terre sur son ongle et dit ⁇ Quelle est la plus grande quantité, moine Ce peu de terre ou toute la terre dans le monde entier ?⁇ Naturellement, les moines répondirent que la terre dans le reste du monde était beaucoup, beaucoup, beaucoup plus abondante que le petit peu sur son ongle. Alors le Bouddha dit ⁇ de même, moine, la quantité d'impureté que l'on détruit en atteignant l'entrée dans le courant est aussi abondante que la terre dans le reste du monde. Et celle qui reste à détruire par celui qui est entré dans le courant est semblable à la terre sur mon ongle. Pour cette raison, dit-il, atteindre l'entrée dans le courant est plus grand que devenir un monarque universel régnant sur tous les autres royaumes. C'est plus grand que d'aller au ciel pour être comme un ange, c'est même plus grand que de devenir un Dieu. Vous étant libéré de ces entraves, vous commencez à vous occuper des prochaines, les entraves de l'avidité grossière et de la haine. Lorsque vous avez effectué votre percée des trois premières, vous avez également allégé le poids de celles qui restent. Aussi l'avidité et la haine auxquelles vous avez maintenant à faire face sont-elles bien moindres que celles dont vous aviez l'expérience en tant que personne ordinaire Vous guettez l'avidité et la haine et employez l'effort habile pour repousser ses ennemis encore et encore. Vous développez la générosité et l'amitié-bienveillance. Vous devenez complètement dégoûté des attachements, des plaintes et des humeurs grincheuses de votre esprit. Pendant que vous cultivez une conscience plus profonde de l'impermanence, vous voyez plus clairement la nature changeante de toutes les sensations agréables, désagréables et neutres, et vous vous rendez compte à quel point il est vain d'essayer de faire aller les choses à votre façon. De plus en plus, vous lâchez prise. Finalement, vient le jour où l'avidité grossière et la haine sont largement affaiblies. Il en reste quelques manifestations moins évidentes qui maintiennent votre personnalité en place, mais une grande partie du travail est accompli. Vous devenez celui qui ne revient qu'une fois. C'est-à-dire que vous ne pouvez renaître dans le monde physique qu'une seule fois de plus, avant d'être pleinement illuminé. La paix qui saisit l'esprit est indescriptible. Tous vos soucis, vos obligations et vos fardeaux s'évanouissent pour toujours. Aucune injure, aucun malheur personnel ne vous perturbe vous en avez fini avec l'irritation. Il est possible que des gens remarquent votre pureté et votre bonté sans limite et qu'ils commencent à penser que vous êtes un saint. Et pourtant, au départ, vous n'étiez pas mieux que n'importe qui d'autre. C'est un processus impersonnel, un changement naturel dans l'esprit, que vous avez accompli jusqu'à ce point en suivant les instructions du Bouddha. Bien que vous n'ayez plus aucun attachement ni chagrin dû à vos propres malheurs, votre cœur est si vaste et suffisamment d'attachement demeure pour que vous puissiez encore vous impliquer exagérément dans les malheurs des autres et en souffrir. Il y a encore du travail à faire. Les restes de l'avidité et de l'aversion doivent encore être balayés. Lorsque les entraves de l'avidité grossière et de la haine sont définitivement détruites, vous réalisez le troisième stade de l'illumination. Une personne à ce stade est connue comme celui qui ne revient pas, c'est-à-dire quelqu'un qui ne renaîtra jamais dans ce monde, bien qu'une renaissance sur un plan d'existence immatérielle soit possible. Une fois terminé le travail d'élimination de l'avidité grossière et de la haine, le dernier groupe, les irritants psychiques les plus subtils, les cinq dernières entraves, doit être attaqué. Dans l'esprit, ces problèmes sont si subtils qu'aucune personne ordinaire ne peut les remarquer et encore moins avoir l'idée de s'en défaire. Celui qui ne revient pas continue, par exemple, d'éprouver l'agitation provenant de l'inquiétude liée à l'idée d'une éventuelle autre renaissance. Mais pour quelqu'un à ce stade de purification, ces entraves restantes sont comme une petite tache sur une chemise blanche parfaitement propre. Poursuivant la pratique, celui qui ne revient pas, élimine les désirs subtils restants envers n'importe quelle sorte d'existence. Il se débarrasse de la vanité, de cette impression d'avoir un soi. L'agitation est enlevée, de même que la dernière trace d'ignorance restante. En un grand instant, toutes ces dernières entraves sont arrachées, et l'arahante, le parfait, l'illuminé, est là celui-ci ne pourra jamais plus effectuer aucune action fondée sur l'avidité, la haine ou l'illusion mensongère car ces états sont pour toujours bannis de l'esprit comme l'a dit de nombreuses fois le bouddha un arahant est celui qui a déposé le fardeau il peut vous venir à l'esprit que l'arahante peut-être pourrait retomber à un niveau inférieur et être tenté par une relation sexuelle un vol ou quelque autre comportement mondain. Si vous vous souvenez de la nature des entraves, comment elles nous fourvoient et comment elles sont vaincues, vous n'entretiendrez pas de telles pensées au sujet de ceux qui sont parfaitement illuminés. Les Arahantes trouvent même impensable de s'adonner au plaisir des sens, et encore beaucoup plus à de quelconques actions immorales. Les Arahantes ne peuvent jamais plus faire des choses erronées. Ils goûtent continuellement la félicité ultime et restent pleinement en paix. Au moment de l'illumination, nous voyons clairement que tout ce dont nous avons besoin est contenu dans les quatre nobles vérités. Nous sommes libérés de toutes les vues spéculatives ou des théories concernant la réalité. Le passé, le présent et le futur, l'existence du soi et l'univers. Nous comprenons ce qu'est la réalité physique et comment elle apparaît et disparaît. Nous comprenons ce qu'est la sensation et comment elle apparaît et disparaît. Et nous comprenons la perception, les formations mentales et la conscience de la même façon. Nous avons gagné la délivrance complète de toutes les opinions et conjectures, de toutes les tendances à revendiquer ou à ressentir l'identification personnelle, moi ou mien. Toutes les théories, opinions et croyances qui gonflent l'ego ont disparu. Être totalement libre des dix entraves est le stade de l'illumination complète.